j'ai pu reprendre la main après 10 minutes et un quart d'heure de vérification Steam. Il y a dû y avoir une erreur d'écriture, je sais pas, bizarre. Bon, bah, je vais reprendre ma sortie nocturne en chemin. Ya! Passer 3 heures avec la madame. Hein. J'en ai marre. Ah, j'ai pas mis comme ça.
Oh! Bonjour. Waouh! M'a fait peur, bonjour! Pas un pas de plus, vermine! Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux! Je confisque vos marchandises volées! Payez votre amende si vous ne voulez pas aller en prison! Ah bah le ton a changé rapidement! Mais pourquoi je suis mis à l'amende? Comment ça donner de l'or? Voici ce qui va se passer. Nous allons aller au château. Là-bas, on vous fouillera et vos marchandises volées seront confisquées. Ensuite, si vous payez votre amende, vous serez libre. C'est le mec que j'avais trucidé là dans le village des fous là au niveau de la grotte. J'avais volé les clés, c'était considéré comme un vol. Mais du coup ils m'ont rien retiré puisque je suis pas. J'étais à moi qui m'ai retiré la. Mais non, la clé de copter, je l'ai. J'étais faussement en délit. Quelle est la raison de votre présence? Bah je sais plus moi-même. Vous avez appris pour Kvatch? On raconte que des Dédras venus d'Oblivion l'auraient totalement rasé. Oui, d'ailleurs, il faudra que j'y retourne. Prenez soin de vous. Bonjour. Que voulez-vous? J'aimerais trouver une chambre pour dormir, des rumeurs. J'étais chez Olaf, et j'ai croisé un Dunmer appelé Reynild Dralas. Après quelques verres, il m'a expliqué qu'il était chasseur de vampires. Wow. Et des précisions sur cet homme? Oui, le chasseur de vampires. Cela ne fait pas longtemps qu'il est à Bruma, il me semble. Et il a déjà trouvé un vampire. Apparemment, Bradon Lyrian était l'une de ces immondes créatures et Reynild l'a tué. Cela dit, c'est assez étrange. Je n'aurais jamais cru que Bradon puisse être un vampire. Il était si sympathique. Bizarre. Merci pour l'info, Lyra. À bientôt. À bientôt. C'est où je peux trouver une auberge? Ah, merci. Vous avez appris pour Jorundr? Il a été arrêté alors qu'il volait de l'or, et on l'a jeté en prison. Arnora doit être folle de douleur. Quoi? Au revoir. Bonjour. Je suis Logvar. Afid me paye pour surveiller le coin et maintenir l'ordre. Ah, bah c'est une bonne chose. Des rumeurs? Avez-vous déjà entendu parler du fantôme du seigneur Vlindrel? On dit qu'il hante la route de Korol. Je ne l'ai jamais vu pour ma part. Ah. Et ce fameux Jorundr dont vous parliez, là, enfermé pour de l'or? Autrefois, Arnora et Jorundr formaient un couple heureux. Mais c'est fini maintenant. J'ai entendu dire qu'il avait pris tout l'argent du ménage et qu'il l'avait caché après avoir commis un cambriolage. Il comptait fuir la ville en abandonnant Arnora, mais a été arrêté avant d'en avoir l'occasion. Aujourd'hui, Arnora n'a plus du tout d'argent, la pauvre. Et Bruma? Un nordique qui boit devient soit très amical, soit agressif. Je suis ici pour m'occuper de ceux qui deviennent agressifs. T'aimes bien. Vu comme ça. Bon, bah, plus. À bientôt. Oh, c'est beau. J'aime bien le cas. Puisse le vent vous pousser de l'avant. Bienvenue à Bruma, étranger. Affi de Loveleg. Je suis votre hôte, à l'auberge à la vue de Gérald. Un lit, de la nourriture, tout ce dont vous avez besoin. Bien le bon, Swed. Je veux bien un lit, s'il vous plaît. Il y a un lit très confortable à l'étage. Une chambre magnifique, pour 25 pièces d'or seulement la nuit, si cela vous intéresse. Intéresse qu'elle soit magnifique, 25 pièces d'or, j'ai jamais eu plus cher. Le moins cher, c'est 10, et le plus cher jusqu'à maintenant, c'était 20. Alors 25, je veux bien, mais...
Excellent. C'est à l'étage. Vous ne pouvez pas manquer la porte. Je pense vraiment que vous dormirez très bien. Bon, je veux bien, après toutes mes aventures. Merci bien. Bonjour. Oui, bonsoir. Oh, oui, c'est beau. C'est beau. Bah. Elle est où, la chambre? Bonjour, ô elfe. Bonjour. C'est ça? Non, je comprends plus. Mais non. Bonjour. Fallait savoir que la chambre était en sous-sol. D'accord. Effectivement, c'est pas con. Un peu cher, mais pas con. Ah, bien vu. Attends, il faut que je le lise, ça. Le guide de Bruma. Alessia Otus, guide des Bruma. Alors, Père Talos, protégez-nous. Je m'appelle Alessia Otus et j'aimerais vous parler de Bruma. Bruma est officiellement un comté de Niben. En réalité, elle est plus nordique que Niben en raison de la proximité de la frontière de bord de ciel et du terrible froid qui hante les hauteurs des montagnes de Gérald. Bruma ne connaît que la froidure et la neige. Des feux sont entretenus en permanence dans tous les quartiers pour empêcher les habitants de mourir de froid. Toutes les constructions sont en bois, les forêts des montagnes de Gérald étant très riches. Même les bourgeois aisés habitent des cabanes en bois en sales et obscures. Rien d'étonnant à ce que les Nordiques soient sauvages, ivrognes et païens. La vie sous un tel climat révèle vraiment de l'impossible. On comprend que les habitants soient tentés de boire pour qu'ils oublient la froidure et qu'ils vendent leurs âmes pour s'abriter du froid mordant et du vent violent. Le château de Bruma est glacial et traversé de courants d'air, négligemment décoré et noirci par la suie des feux qui brûlent en permanence. L'odeur de la fumée et de la cendre y est intolérable. Les plafonds hauts sont grandioses, mais rendent les pièces inchauffables. On y grelotte toujours de froid. Les nombres de couches de suie et de crasse recouvrant les pierres ne permettent pas d'apprécier à leur juste valeur les sculptures. N'étaient les épais murs de pierre et le grand escalier. Le château ne serait pas très différent des huttes en bois, froid et sombre, sale et plein de courants d'air. La comtesse Naria Carven est originaire du cœur de Niben. Elle fréquente assidûment la chapelle. Elle est respectée par son peuple, bien qu'elle soit manipulatrice, fourbe, intraitable et diablement douée pour les affaires. Le gouvernement du comté est efficace et bien organisé. La garde de la ville, bien entraînée et agressive, est dirigée par un impitoyable capitaine nordique. Il veille à ce que les voleurs et les mendiants ne sèment pas la pagaille, ce qui ne laisse pas d'étonner, les Nordiques étant réputés pour leur penchant pour l'alcool et leur goût pour la rébellion. On accède aussi au château par une porte située à l'ouest de la ville, donnant d'abord sur une cour. Les échoppes, les auberges et les guildes se trouvent au nord, dans un alignement de maisons s'agrénant à l'ouest de la porte du château, et en contrebas, au nord de la chapelle. La chapelle trône au cœur du quartier sud de Bruma, les maisons s'alignant le long du mur, vers l'est et vers le sud. Les rues sont exiguës et dénudées. Les arbres et les plantes ne parviennent pas à survivre dans le froid. La ville est ramassée et rapide à explorer. Tous les Sindas, les Nibédiens de Bruma, se rendent à la chapelle pour le rituel, qu'ils observent de près. Les classes inférieures font leur dévotion aux terribles dieux nordiques. Ils conservent leurs superstitions secrètes et leurs pratiques sauvages. Vous ne serez pas étonné de constater que vous pouvez acheter des armes et armures de bonne qualité, les forgerons nordiques étant reconnus dans leur art. Mais ne vous attendez pas à trouver des livres, les nordiques étant ignares et illettrés. La guilde des guerriers et la guilde des mages sont pauvres et leurs rangs sont maigres. Personne ne veut vivre dans une ville froide et grise, mais la guilde des mages présente au moins l'avantage d'être bien chauffée.
Je me demande bien quel engin infernal est utilisé pour produire et conserver la chaleur. Que les neufs vous bénissent et vous gardent. Et B. C'était intéressant. Comment allez-vous ? J'ai connu mieux. Et vous ? Je me suis déjà senti mieux. Vous croyez que ce qui a eu lieu à Kvatch pourrait se reproduire ici ? Bien sûr. Bonjour. Au revoir. Oui, au revoir. Ah. Une pièce pour un... Je demande juste de quoi nourrir mes gosses. Le malheureux. Tiens. Merci, chère madame. Les rumeurs ? Pauvre Arnora. Apparemment, son petit ami Jorundre lui a volé son or. Maintenant, il est en prison, et elle, elle se retrouve sans le sou. Ah, des infos sur le Dironapli. C'est un véritable conte de fées. La garde impériale prétend qu'un roi des voleurs portant le nom de Renard Gris contrôle tous les autres voleurs de Cyrodiil. Tout ça, c'est eux qui l'ont inventé, bien sûr, pour nous faire peur. Mais encore. C'est un véritable... Mais tout ça... C'est bugué. Ah, Rhaenys Rala. Oui, le chasseur de vampires. Cela ne fait pas longtemps qu'il est à Bruma, il me semble. Et il a déjà trouvé un vampire. Apparemment, Bradon Lyrian était l'une de ces immondes créatures. Et Rhaenys l'a tué. Cela dit, c'est assez étrange. Je n'aurais jamais cru que Bradon puisse être un vampire. Ah, lui aussi. Oh, il était si sympathique. Oh là là. Et c'est le drame. Arkay vous bénisse. Oui, et toi, Morath de Chéris. Des maisons est parfait. Sympa.
Je m'appelle Selena Orania. Je suis un compagnon de la guilde des mages. Ah. Tu es surtout une porte. Des rumeurs, la porte. La guilde des mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Oui. Donne une route. Bonne chance pour votre travail sur le terrain pour Cinderion. Oh là là. Et Bruma? J'ai parfois l'impression de ne pas être la bienvenue ici. Les Nordiques n'aiment pas beaucoup ceux qui viennent des terres intérieures. Eh bien, c'est triste. Tu vends quoi? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Regain de magie, je veux bien, mais je le vois pas. Oula. Ah. Putain, ça coûte cher. Faut que je fasse gaffe de pas me ruiner, mais en même temps, c'est intéressant. Non, bah tant pis. Ah, par contre, toi... Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Déjà fait. Par contre, moi, je peux peut-être te vendre des trucs à moi. Cela me semble être un prix juste. Vous avez gagné une belle somme. C'est une bonne transaction. J'ai envie de te répondre, j'espère bien. Excellente transaction. Non, je vais garder les gains de maladie. Oui, après le reste. La glycine ne sert pas à grand chose, je trouve. Bon, bah c'est cool. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Prenez soin de vous. Oh mon Dieu, elle a découvert son visage. C'est tout à son honneur. Debout, feignasse. J'ai hâte de parler. C'est un plaisir de parler avec vous. Ah bah tu m'étonnes. Des rumeurs? Grâce à Karahil et à sa guilde, les routes des environs d'Anneville sont plus sûres maintenant. C'est un exemple pour nous tous. Guilde des mages. C'est dommage que Selena ne se joigne pas à nous. Mais elle prend son rôle d'alchimiste très au sérieux. Si vous avez besoin de provisions, c'est elle qu'il faut aller voir. Déjà fait. Et la ville? C'est un peu trop rude ici pour moi. Seuls quelques poils séparent les ours des Nordiques. Oh, ça parle mal. Prenez soin de vous. Oui, merci, vous aussi. Oh là, je vois des choses. Je vois des choses, je vois des choses. Personne? Non, personne. Va aérer un peu. Ah oui, c'est la salle à manger. Alors, quoi ici? Ah, je repasse en haut, c'est ça. Astucieux. Ah,
déconne, puis ça part. Bonjour. Oh, c'est Lena, je lui ai déjà parlé. Hey, bonjour à vous. Oui, vous devez être nouveau ici. Oh, c'est bon de voir de nouveaux visages à la guilde. Si vous avez un jour besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. J'ai des amis haut placés partout, vous savez. Je peux organiser des choses que les autres ne peuvent pas. Je serais heureuse de pouvoir vous rendre service. Un de ces jours, vous pourriez peut-être me rendre l'appareil. Bah oui, tant que je peux me rendre service. Voilà. Des rumeurs ? Les choses sont différentes à la guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Elle est plus structurée, mais tout le monde a l'air nerveux. Des recommandations, peut-être ? Une recommandation ? De moi ? Bah oui. Bien sûr ! Il serait naturel que Raminus souhaite avoir mon avis, non ? Voici une situation dont nous pouvons tous les deux tirer profit, associés. Vous me rendez un petit service, et je me ferai un plaisir d'envoyer une recommandation des plus brillantes. Merci bien. Si vous pouvez trouver Giscar, j'écrirai la recommandation immédiatement. Giscar ? Oui ? Il a disparu. C'est qui ? Je veux dire, il a réellement disparu. Personne ici ne l'a vu depuis des jours. Volanaro pense qu'un sort s'est peut-être retourné contre lui. Si un membre du conseil passait par là et s'apercevait de son absence, je serais dans de beaux draps. Je ne peux pas me permettre de laisser cela se produire. Adressez-vous au mage d'ici, et vous verrez ce que vous pouvez apprendre. Si vous pouvez faire réapparaître Giscar, vous aurez votre recommandation. D'accord. Venez me voir dès que vous avez trouvé Giscar. Oui. J'ai cru voir un galopin apparaître puis disparaître. Oh, stylé. C'est un plaisir de parler avec vous. Oui, merci. Giscar, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, je vous aime bien, moi, mais je ne veux vraiment pas me mêler de cela. Si Volanaro et Giscar veulent s'amuser, très bien. Je ne vais pas m'en mêler et je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet. Allez leur en parler. Ah, d'accord. Vous aussi. Partez ! Vous allez tout ficher en l'air ! Ça va pas ? Partez ! Vous allez tout ficher en l'air ! Vous avez éveillé mon intérêt. Faites-moi part de vos pensées. C'est un plaisir de parler avec vous. Oui, alors attends, là, le petit plaisantin qui se cache, tu peux m'expliquer ? Vous voulez retrouver Giscar ? Bah, comment ? C'est bon. Je pense que je peux vous aider avec ça. Mais vous devez tout d'abord accepter de faire quelque chose pour moi. Et quoi que vous fassiez, n'en parlez surtout pas à Jeanne, d'accord ? Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà l'attitude à prendre. Vous m'aidez à jouer un petit tour, et je vous aide à retrouver Giscar. Non, mais... concernant Jeanne... Sans vouloir manquer de respect à notre formidable chef... Elle serait incapable de s'échapper d'un sac en papier. C'est insultant pour nous d'être là, à travailler sous ses ordres, alors qu'elle ne sait rien. Elle a réussi à passer la pommade aux gens qu'il fallait, juste pour garder son poste, et nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Mais nous nous accommodons de cette situation à notre manière. Je me trompe ou tu es calife à la place du calife ? C'est une farce ? Eh, vraiment, ça va vous plaire ? Je vais vous apprendre un sort permettant de déverrouiller ce qui est fermé à clé. Il faut juste que vous ouvriez le bureau de Jeanne et que vous me rameniez son livre de sorts, d'accord ? Sa chambre est à l'étage. Attention, ne vous faites pas repérer. Faites cela pour moi et je m'arrangerai pour que vous retrouviez Giscar. Oh là 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 là.
Oui, le disquaire, alors, t'en sais plus ? Apportez-moi le manuel de sort de Jeanne, et nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous aider à retrouver Jisker. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Tamriel. Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Non, laisse tomber. Tenez-moi au courant lorsque vous avez terminé cette petite tâche. On s'amuse comme on peut. Alors, ce sort à la noix. Alors, j'aimais la sorcellerie de Jeanne, je dois lui donner un volet à Naro. C'est vraiment bidon comme jeu. Avez-vous déjà joué ce petit tour ? Mais oui ! C'est pas comme si elle était juste à côté de moi. Enfin, qu'elle était à côté de nous. Je vois que vous avez le livre de Jeanne. Bon, très bien. Je vous le prends. Retrouvez-moi au quartier d'habitation après 10h du soir. Oh, c'est pourri. Mais il est sérieux. Soupir. Bon, allez, je vais aller faire réparer mon matos et faire du commerce. Hein. À bientôt, les rigolos. C'est à l'étage que c'est intéressant. D'ailleurs, je peux ranger mon quoi de pêche. Voilà. Allez, les vents nordiques, qu'est-ce qu'on y achète ? Xhorta, vent nordique, nous avons des vêtements et des armures. Et j'ai mal à la tête, alors je vous prie de ne pas parler trop fort. Des rumeurs ? Apparemment, bon vent apprend comment manier l'épée aux autres membres de la guilde des guerriers. Et Bruma ? Nous buvons parce que nous sommes heureux. Nous sommes des Nordiques. Ce qui m'ennuie, c'est d'avoir la langue pâteuse et la tête lourde le lendemain. Ah. Effectivement. Des choses à vendre ? Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Tamriel. D'accord, elle ne fait que des fringues. C'est son droit le plus absolu. C'est une bonne transaction. Ok. J'aime quand mes clients sont contents. Monsieur derrière Forgeron, peut-être. Adieu. Bonjour. Adieu. Ah, mon Dieu, une femme peut en cacher une autre. Edla. Edla Cœur Noir. Si vous voulez devenir tireur, je peux vous entraîner. Si vous pouvez respirer, je peux vous entraîner. Ok. Des rumeurs ? Siroc est un bon guérisseur. C'est un rouge-garde. Mais on pourrait le prendre pour un nordique, à la façon dont il se comporte. Ok. Bon, merci.
Au revoir. Je suis Olfand, entraîneur en armure légère. Sgarta et moi-même tenons les vents du nord. Excusez-nous, nous avons un peu bu la nuit dernière. Nous sommes encore un peu vaseux. Ah, s'il peut me réparer, mais... Je ne vois pas l'intérêt de vous promener avec des objets cassés. M'en parle pas. Merci bien. Ah oui, tu vas... Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Ah bah avec plaisir. Quoi? Wouah... Wouah, le bélier de Don Doran. Mais c'est quoi ce truc de fou? Wouah... Attends, je suis con, mais je peux peut-être lui donner... Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Déjà fait, non mais attends, je vais peut-être te vendre des trucs, moi. Minute. Oui, je peux te vendre celle-là, je m'en sers pas. Vous avez gagné une belle somme. Oui, j'espère bien. Ah, il rachète les gemmes, lui. Ah, c'est marrant. Ah, pire de... Ouais. Ah, ben voilà. Ça, c'est fait. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Vous avez fait une excellente affaire. Mouah, c'est bon ça. Je suis revenu à 5000 pièces d'or, dis donc. Merci. Vous êtes ici, chez vous. Oui, 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 non mais merci à toi aussi. Bonjour. Bonjour. J'ai pas perdu mon... Voilà, mon action, ça va du tout. Oui. Bonjour. Des rumeurs? L'auberge à la vue de Geral est un endroit agréable. Tout le monde se sent chez soi avec Afid. Ah, c'est fort ça. À bientôt. Je suis Surutan, fier propriétaire de Novaroma, un petit morceau des terres intérieures de l'Empire, dans les hautes montagnes de Geral. Bonjour. Alors. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Pantalon de singe. Intéressant. Mmh. Ah, il y a des histoires. Ah. Guide de Bruma, j'en veux bien. Enfin non, j'avais peut-être déjà lu, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mmh. Ouais, j'en ai rien. J'ai plus rien à vendre, moi. Oui, non, je suis... C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Oui, oui, merci. Prenez soin de vous. Toi aussi, je demande à lire le guide de bonheur. Ah, mais c'est ce que j'ai lu chez le... J'ai déjà lu, enfin, je vais avoir mon exemplaire, c'est bien. Mais c'est ce que j'ai lu chez l'aubergiste.
Je suis Siroc, le guérisseur de la chapelle de Bruma. Eh, bonjour. Ah, t'es au courant sur l'attaque de la chapelle d'Anville ? C'est terrible. J'ai l'impression que le pire reste à venir. Quoi ? J'irai peut-être à Anville pour écouter ce fameux prophète avant qu'il ne soit trop tard. Des rumeurs ? Apparemment, Arentus Falvius à la chapelle est un sacré invocateur. Il lui arrive de transmettre son savoir aux gens qu'il apprécie. Ah, merci pour l'info. Et ce dit prophète à Anville ? L'église est toujours sous le choc de l'attaque contre la chapelle de Dibella. Tu m'étonnes. Je ne crois pas que qui que ce soit ait eu le temps de réellement étudier les enseignements de ce prophète. Je pense que le mieux est d'aller le voir, de l'écouter attentivement et de se faire sa propre opinion. Oui, 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 oui. Et sinon, la ville ? La chapelle s'est fait beaucoup d'ennemis ici dans le passé. Les Nordiques préfèrent leur dragon Ismir à notre père Akatosh. Ouais, je peux le comprendre, je peux le comprendre. Enfin bon. À plus. Au revoir. Oh, c'est chaud. Ah, oh, ça dure que 15 secondes, c'est nul. J'ai pas assez de gemmes spirituelles assez grandes pour capturer leurs âmes. Je reviendrai plus tard. Oh, c'est vraiment la déception. Bonjour. Oui, bonjour. Que voulez-vous ? Des rumeurs ? Pauvre Arnora. Apparemment, son petit ami, Jorundr, lui a volé son or. Maintenant, il est en prison, et elle se retrouve sans le sou. Oui, c'est triste. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je suis Régnier. Vous voulez quelque chose ? Adressez-vous à Edla, c'est elle qui commande. Qu'est-ce que tu fais dehors dans le froid ? Des rumeurs ? Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail, pour certains. Mmh. Et vous, la ville ? Je déteste cet endroit. Ah. Je suis venu ici avec Edla. Tous ces sudistes prétentieux, et ces satanés gardes qui ne laissent personne s'amuser. Mmh. Ouais, bon, à plus. À bientôt.
Je vous salue. Hein? Une petite pièce pour... Quoi, tu m'as fait peur. Que puis-je pour vous? Je ne sais pas moi-même, ça m'a fait flipper des rumeurs. L'auberge, à la vue de Gérald, est un endroit agréable. Tout le monde se sent chez soi avec Afid. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, tu radotes. Bonjour. Sarah maman, il y a trop de monde ici. Bonjour. Bonjour, je suis Tolgan, héros de la comtesse Darida Carven. Ah, c'est intéressant, comment va la comtesse? La comtesse est visible. Veuillez observer le protocole habituel. Le jeu en PLS, c'est un plaisir de vous voir. Madame. Bienvenue au château de Bruma. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Le sujet de Kato. Il a servi l'empereur Uriel pendant de nombreuses années et il s'en tire pour l'instant plutôt bien dans cette situation difficile. D'accord. Des rumeurs? Je n'ai toujours pas apprécié le code de la conduite de la guilde des mages, mais les réformes lancées par Hannibal Traven sont très encourageantes. Ah, d'accord. Et pour ce qui en est de la ville ? Certains ne voient que les conflits entre les cultures du sud et du nord, mais je suis consciente qu'elles sont plus fortes lorsqu'elles sont associées. Sage parole ? Suis-je en droit d'acheter une maison ? Je ne vous fais pas assez confiance pour vous en parler. Oh, je suis triste. Attendez, madame la comtesse, je vais vous corrompre. Puissent les divins vous sourire. Je crois que... Bienvenue au château de Bruma. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? La corruption. Blah. Oui. Alors. Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça? Elle n'aime pas les vannes. Vraiment? Berk, c'est ignoble. Vraiment? Intéressant. C'est remarquable. C'est trop d'honneur. Oh, je vous en prie, ne m'approchez pas. Ce ne sont que des paroles en l'air. Berk, c'est ignoble. J'aimerais pouvoir en dire autant. Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça? Allez, je cours un peu. Vous voyez? C'était difficile? Mais non. Très bien, pigé. Alors, une maison? J'attends de trouver l'acheteur idéal pour une propriété spéciale que je possède. Ah. C'est une petite maison au charme vieillot, bien située, à quelques pas de la porte principale. Ah. Quoi? Je ne me sens pas prêt. Ah, je ne me sens pas prêt. À l'acheter où je peux pas me permettre de dépenser. Oui, mais c'est con, mais c'est combien? Je préférerais ne discuter de cette propriété qu'avec des acheteurs sérieux. Mais je suis sérieux. J'attends de trouver l'acheteur. Je peux pas me permettre de dépenser. Quel dommage. Je suppose que je vais devoir trouver un autre acheteur. Oh. On oui. S'arranger. Attends. Puissent les divins vous sourire. Bienvenue au... Attends, je la corromps. Nous verrons bien. La moindre contribution est... Vous voyez? C'était difficile? Bah, ça coûtait cher, surtout. J'attends de trouver... Ah non, je peux pas. Quel dommage. Bon, rends-moi mon pognon. Voilà. Ah, oh, mince. Ah oui, je suis pas loin d'avoir 5000, mais je pense qu'il faut 10 000 ou plus pour acheter une maison. Oh, je suis pas assez riche. Oh mon dieu. Bonjour,
Bonjour. Oh là 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 là. Je suis... Bah, il a disparu l'autre. Ah non, le gars. Bonjour. Oui, je sais qui tu es, on a parlé il y a 2 minutes. Bon, laisse tomber. Bon voyage, Milady. Oui, oh là. Il parle bien, bien sûr. Quelles sont les nouvelles ? Ben voilà. J'ai mon escorte, ça me va. Je vous écoute. Oh, moi. Oh là 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 là. Fuyez-moi. Oh, je partirai bien à l'aventure, du coup. Il y a des trucs aux alentours. Non, les quêtes terminées, on s'en fout. Oh là 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 là. Après 22 heures, ouais. Ah. Alors, où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est, la malheureuse ? Ah, c'est derrière la cathédrale. Vous avez appris pour Bradon Lyrian, un chasseur de vampires du nom de Rhaenyl Dralas est arrivé en ville. C'est bon de vous voir. Oui, merci. Vous ne voyez pas que je suis bouleversée ? Je vois surtout que t'es vénère, oui. On se calmer un peu. Relax, prendre le temps de parler. Oh, beau collier. Des rumeurs. La taverne d'Olaf est un bon établissement abordable pour les voyageurs. Ah là là, et la ville ? Je ne puis vous aider. J'aime les hommes qui réussissent, qu'est-ce que j'y peux ? Prenez Olaf, par exemple, à la taverne. Il est merveilleux et riche. Bon, Jarnrun. Cela ne vous regarde pas. Je ne vous connais pas. Et vous croyez que je vais vous parler de mon ex ? Ça peut s'arranger. Très bien. Alors ? C'est super. Comment ça s'est passé, déjà ? Ne dites pas n'importe quoi. J'en doute. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire. J'en doute. D'où est-ce que vous tenez ça ? C'est ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Alors, attends, elle, c'est pas facile. Je ne peux pas dire le contraire. Ni maintenant, ni plus tard. Jamais. J'en doute. Oh, c'est génial, c'est vraiment trop. Alors, elle aime la plaisanterie et le fait d'être contrainte. C'est super. Comment ça s'est passé déjà ? Ça suffit. J'en doute. C'est vraiment ridicule. Ah, j'ai merdé. Inutile de gaspiller votre salive, la flatterie ne prend... J'en doute. D'où est-ce que vous... Je vous accorde ce point. C'est vraiment ridicule. Je ne me battrai pas avec vous. J'en doute. D'où est-ce que vous tenez ça ? C'est bon, ça ? J'en doute. Inutile de gaspiller votre sel. Ça suit. C'est vraiment drôle. N'essayez pas de me manipuler. Je vous accorde... D'où est-ce que vous tenez ça ? C'est... J'en doute. Ben voilà. D'où est-ce que vous tenez ça ? C'est bon. Ça suffit. Ne dites pas n'importe... J'en doute. N'essayez pas de me manipuler.
J'en doute. C'est super. Je ne peux pas dire le contraire. Eh ben voilà. Alors, John Deere. Je suppose que je peux vous confier ces informations. Mais bien sûr. Après tout, si vous m'aidez à récupérer mon or, vous en gagnerez peut-être bien une partie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'or volé ? Je sais que vous êtes au courant pour Jorundre et son petit problème avec le garde. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. J'ai peut-être laissé échapper un détail ou deux pour pousser quelqu'un comme vous à me venir en aide. Je ne dirai rien de plus tant que vous n'aurez pas accepté de m'aider. Mais oui. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Alors, c'est oui ou c'est non ? C'est pas l'idée de me faire du pognon qui m'intéresse. C'est l'idée de résoudre le problème et qu'on passe à autre chose. Allez, je t'écoute. Bonne réponse. Voici ce qui va se passer. Jorundre et moi avons toujours eu une relation houleuse. J'ai dû le suivre dans tout Cyrodiil contre mon gré pour l'aider à commettre ses petits crimes minables. Je ne dirai pas que nous sommes des voleurs. Nous avons volé des choses, c'est sûr, mais jamais beaucoup. Juste assez pour survivre. Enfin, jusqu'à l'année dernière. Jorundre a commencé à prendre des risques et à s'attaquer à des cibles plus dangereuses. Et je ne parle pas que des marchands solitaires. Des cibles plus importantes, d'importantes propriétés, des collectes de taxes. Je les suppliais d'arrêter, je savais très bien que tout cela mènerait un jour à la violence. Il a refusé de m'écouter et a menacé de s'en prendre à moi si je me mettais en travers de sa route. Je crois que c'est l'or qui a fait de lui un autre homme, j'en suis convaincue. Il n'était pas comme ça il y a 7 ans. Chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, il me frappait ou me repoussait. J'ai fini par avoir peur de lui. En quoi je peux être utile dans cette histoire ? Notre dernier coup visait des taxes livrées à la cité impériale. Nous avons réussi à les voler, mais Jorundre a tué un garde. J'étais horrifiée. Nous nous sommes emparés de l'or et nous sommes partis nous cacher dans les montagnes. Il m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, il me tuerait. À ce stade, j'avais très peur de lui. 2 jours plus tard, les gardes de Bruma City ont trouvé notre cachette. Jorundre a été capturé alors que j'étais partie chercher de la nourriture. Ça lui apprendra. Lorsque je suis retournée à notre cachette, l'or avait disparu. Il l'avait déplacé. Je voudrais que vous alliez le voir de ma part dans les cachots du château de Bruma. Convainquez-le de vous dire où se trouve l'or et nous le partagerons ensuite. Ah, intéressant. Intéressant. Ah oui, j'y vais. Ça ne va pas vous tomber tout cru dans le bec. Allez, un peu d'imagination. Eh ben, elle sert pas de temps, elle. Salut. Salut. Alors, les jaunes, c'est où les jaunes ? Les jaunes, c'est où ? Caserne. Pas derrière la caserne, les jaunes ? Pas mon nom. Les jaunes. Ah, salutations. Bonjour, tu gardes les jaunes. Excusez-moi, je suis de service. Grande visite, un président. Oh, des rumeurs. J'étais chez Olaf et j'ai croisé un Dunmer appelé Renil Dralas. Après quelques verres, il m'a expliqué qu'il était chasseur de vampires. Lui encore ? Mais c'est dingue, il a parlé à tout le monde, si haut. Je peux rendre visite à un prisonnier ? Oh, quelle poisse ! Ne traînez pas trop. Je suis obligé de rester avec vous pour vous surveiller. Oui, mais y a pas de souci. Ne vous approchez pas trop des prisonniers ! Oui, ok, merci.
Ne touchez pas au verrou. Ne touchez pas au verrou. Je suis pressé. Ne touchez pas au verrou. Je ne vous connais pas et je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je veux que vous partiez. Attends, on va faire copain copain. Je vous écoute. S'il vous plaît, non, je regrette. Pas mal, pas mal du tout. J'en doute. N'essayez pas de me manipuler. N'essayez pas de me manipuler. J'en doute. Pas mal. Oui, oui, si vous le dites. Pas mal, pas mal du tout. J'en doute. Assez. Vous me faites peur. Ne dites pas n'importe quoi. Pas mal, pas mal du tout. J'accepte. Ni maintenant. J'en doute. Mmh. Oui. S'il vous plaît, non. J'en doute. Inutile de gaspiller votre salive. La flatterie... Bien sûr. Comme vous voulez. C'est vraiment ridicule. J'en doute. Mmh. C'est une bonne blague. Oui, oui. C'est vraiment ridicule. J'en doute. C'est une bonne blague. Oui, oui. J'en doute. N'essayez pas de me manipuler. Mmh. J'en doute. Inutile de gaspiller. J'accepte. Elle est bien bonne. Mmh. J'en doute. C'est vraiment ridicule. Oui, oui. Elle est bien bonne. Que c'est gentil. Et c'est juste ce qu'il me fallait. Très bien. Pigé. Alors, leur voler. Je ne vous dirai rien. Vous n'êtes pas des nôtres. Je parie que vous essayez de me faire parler pour le compte des gardes. Ce pourri de garde, Tyrellius, essaie toujours de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Eh bien, vous pouvez laisser tomber. Dites-lui que ça ne marchera pas. C'est pas Tyrellius. Oh. Ah, c'est con, j'étais parti pour me faire arrêter quand je suis arrivé en ville. Ah, c'est couillon, ça. Ah, merde. Si j'avais su. Ah, crotte. Ne touchez pas au verrou. Ne touchez pas au verrou. Les prisonniers n'accepteront peut-être pas de cadeaux. Halte ! Vous avez enfreint la loi. Payez l'amende au tribunal ou purgez votre peine. C'est tellement facile. Les biens que vous avez volés vous sont confisqués. Allez en prison. J'espère que vous pourrirez en prison, sale racaille. Oh, ça parle mal. Bon, j'ai commis un crime et été emprisonné. C'est peut-être l'occasion rêvée de parler à Juno à propos de leur volet. Alors, tous vos biens ont été confisqués par les gardes. Vous les récupérez quand vous aurez fait votre détention. Activez le lit pour commencer à purger votre peine. Ah oui, je viens dormir, moi. Quoi ? Voulez-vous simplement servir le temps prévu ? Non. Bon, attends, je vais parler avec l'autre. Ah oui ! Ah oui, je suis d'accord, je suis vraiment à poil là. Ah, je me sens léger là. Vous n'avez rien à perdre. Alors pourquoi ne pas tout me dire et nous éviter pas mal d'ennuis à tous les deux ? Ouais, c'est ça. Et je suppose que moi, je moisirai ici pendant que vous dépenserez tout ? Jamais. Vous allez finir par moisir ici de toute façon, pauvre idiot. Écoute, abruti. Je n'ai jamais fait confiance aux gardes de la cité. Jamais. Alors je ne vais pas commencer à vous faire confiance, Tyrellius. Comme vous voudrez. Bon séjour.
vu comme les gardes vous ont jeté ici, je vois bien que ce ne sont pas vos amis. Donc, l'envoler. Je suppose que je peux vous faire confiance. En fait, vous pouvez peut-être m'aider à régler un petit problème, tout en gagnant un peu d'argent. Je ne suis pas prêt de sortir d'ici. On m'a accusé de meurtre, même si je suis innocent. Mais une fois que le comte rend la justice, impossible d'annuler son jugement. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause d'Arnora, cette traîtresse de sorcière. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait, Arnora ? Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Je vais vous le dire. J'ai été trahi, poignardé dans le dos. Je suis ici, alors qu'Arnora est libre et habite dans ma maison. Nous commettions de petits larcins dans tout Cyrodiil. Des petits coups, 10 pièces d'or par-ci, 25 par-là. Rien d'assez important pour valoir une enquête. Et voilà qu'arrive Arnora, avec un plan, permettant de détourner une recette des taxes se dirigeant vers la cité impériale. Je vous parle d'une somme importante, là. Défendue par une escorte armée, bien sûr. Je lui ai dit qu'elle était folle, mais elle a insisté. Les femmes savent convaincre les hommes de faire ce qu'elles veulent. Alors, nous l'avons fait. Nous avons pris la malle en embuscade. Pendant la lutte, Arnora a tué un garde. Je lui avais dit de faire attention et de seulement les assommer, mais elle ne m'a pas écouté. Nous avons ensuite enterré l'or dans les bois. Et puis, elle a disparu pour aller chercher des provisions. Soudain, le camp a été pris d'assaut par les gardes de Bruma. Il leur était impossible de nous trouver. Elle nous a dénoncés, c'est sûr, mais j'avais pris mes précautions. J'avais déplacé le butin pendant qu'elle était partie. Mon ultime vengeance. Mais est-ce bien sûr? Donc, qu'en est-il? Je vais vous le dire. Je veux qu'Arnora meure. C'est ça. Qu'elle meure. Elle m'a pris la vie. Maintenant, je veux que la sienne lui soit ôtée aussi. Faites-le pour moi, et vous aurez l'or. Tout l'or. Tout ce que je veux comme preuve, c'est cette maudite amulette qu'elle porte toujours. Montrez-la-moi, et l'argent est à vous. Ah, je pourrais peut-être la voler sans la tuer. Intéressant. Vous voulez l'or ? Vous m'apportez l'amulette d'Arnora, après sa mort. Intéressant. Le prophète ? Je ne sais presque rien de lui. Je pense me rendre à Anneville pour aller l'écouter. J'ai peur que tu sois parti pour être emprisonné à vie. Enfin ! Une occasion de vengeance. Oula, votre paratalent réduit by one. C'est du franglais. Bonjour, un autre sceptique. Bienvenue dans le monde des vivants. Alors, vous avez obtenu des informations sur l'or ? Des rumeurs ?
J'ai entendu dire qu'Arentus Falvius de la chapelle était capable d'invoquer des créatures. Donc, ton ancien coéquipier... Comment vous avez pu partager une cellule avec cet imbécile? Donc, leur voler... Alors comme ça, il vous a raconté une de ses histoires. J'espère que vous ne l'avez pas cru. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il vous a envoyé me tuer, c'est ça? Et si je vous disais qu'il y a un autre moyen? S'il était persuadé que je suis morte alors que je suis en vie, il vous dirait où se trouve l'or. Il voulait quoi comme preuve? Votre amulette. Quelle crapule! Il sait que c'est tout ce qu'il me reste de ma famille. Personne d'autre ne se serait abaissé à faire ça. Je sais que vous pourriez me tuer, mais j'ai une proposition à vous faire. Je pourrais vous donner l'amulette pour que vous la lui apportiez. Il vous dirait alors où il a caché l'or. Si vous me tuez maintenant, les gardes considéreront cela comme un meurtre. À vous de choisir. Vous voulez devenir un meurtrier comme Jorund? Non, je veux bien suivre ton plan. Je suis pas un criminel, hein. C'est pas mon style. Je savais bien que vous prendriez la bonne décision. Très bien. Voici la clé du coffre qui se trouve près de mon lit. Vous y trouverez l'amulette qui intéresse Jorund. Donnez-lui mon amulette. Récupérez l'or et rapportez-moi la moitié ici. Si vous ne revenez pas, j'irai informer les gardes de notre plan. On vous recherchera dans tout Cyrodiil. Autant éviter ça, non? Ce serait préférable. Je vous donne un jour. Bonne chance. Oh la vache, elle est terrible, elle. Je pense qu'il l'a caché près de la ville, voire même peut-être en ville. J'ai cherché, croyez-moi. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Je ne suis pas surprise qu'il ait voulu me faire tuer. C'est tout lui. Trahison et couardise. Eh bien. Ne me trahissez pas, ce serait une grave erreur. Sa véritable amulette. Mais si j'arrive à lui voler sa fausse amulette, ce serait drôle aussi. C'est tout. Putain, elle a rien vu cette minuche. Incroyable, mais vrai. Elle a rien vu, la nénuche. Arrêtez là, j'y vais pas. L'histoire est intéressante.